Voix, est-ce que ça fonctionne bien? Ouh là là, non. Voix, est-ce que ça fonctionne? Oui, non, oui, non, ça reste pas, c'est qui? T'as le temps de taper un petit commentaire? Ils veulent couper, alors on relance, la France, de nouveau, et encore, et toujours. Ça fonctionne là, je sais pas qui c'est qui est arrivé, mais si tu peux mettre un petit commentaire. Il y a quelqu'un. Oui, deux. Est-ce que ça fonctionne bien? On dirait que c'est stable. Ok. Salut cafard. Flipper, flippant. Putain, je peux pas entendre flipper là, ça va pas. Ça fait un moment que je l'ai pas entendu, flipper. Georges Babou, salut Babou. En espérant que ça bug pas trop. Et puis alors, comment ça va la Belgique? Flipper flippant. On dirait, ok. Bah c'est bien, c'est tant mieux. Toujours en direct du parc de la Villette. Et puis voilà, je sais pas si tout le monde est revenu. Tout à l'heure on était 7, 8. Et la révolte non violente, on la veut, on l'attend. Salut Koyo, Rakoyo, ça y est, il y a toute la famille, il y a tous les cafards, le cafard Koyo. Vous prenez votre toile de tente, vous venez au parc de la Villette. Et moi, perso, je suis là pendant 5 jours et c'est pas des conneries. Bon, il y a des petits aléas de direct. Là, je risque de tomber à court de batterie. Je pense que j'ai pas branché jusqu'à maintenant. Je vais aller rebrancher la prise, puis c'est là que la sécurité va passer, à mon avis. Donc bah, on verra, au pire on ira recharger un petit peu dans la voiture à côté et puis on refera un autre direct. Et puis quand vous allez tous arriver avec vos toiles de tente, là je pense qu'on pourra utiliser les prises correctement. Et salut Aurélien, bah Aurélien je pense que c'est toi qui étais là tout à l'heure. Du coup bah Aurélien avec Anto, ils nous ont connus tout à l'heure avec Facebook et ils sont passés. Et bien sûr, grâce à eux, je suis tourné du bon côté maintenant, encore désolé, parce que, vous voyez, ils ont voulu trouver les cafards, ils ont dû faire 2-3 fois le tour, ils sont passés, on était de dos, ils nous ont pas vus. Et voilà, quand vous venez, quand vous arrivez, envoyez des commentaires, connectez-vous sur le live, et on vous trouve. Je suis où? Toujours dehors, toujours au même endroit, et toujours là où t'es passé tout à l'heure. Il y a la sécurité qui est passée 2-3 fois. La dernière fois, il nous a débranché la prise. Il a dit qu'il fallait pas. Donc j'ai dit, bah, je vais laisser le PC s'épuiser. Et quand il sera vraiment à la fin, je rebrancherai la prise. Et on verra. Le but, c'est pas pour le moment. Bah voilà quoi. On respecte en attendant que vous arriviez tous avec vos toiles de tente. Et puis voilà. Oui, oui, c'est toi. Bah oui. Donc voilà. Du coup, tu vois, grâce à toi, je suis tourné du bon côté. Puis voilà, maintenant, si on veut changer les choses, c'est comme on discutait tout à l'heure. Il faut que ça se fasse et ben voilà, il se passe là encore à République. Il y a Doldu tout à l'heure qui nous a dit, ils sont en train de se faire massacrer. Tout ça pourquoi? Pour en venir à une dictature militaire. Et là, vous êtes quatre. Moi, je vous dis, allez sur les directs et dites-leur de venir à la Villette, qu'une fois qu'ils auront fini là-bas les manifestations, qu'ils viennent tous ici au parc de la Villette. Moi je suis là, je serai là toute la nuit, je serai là pendant 5 jours et plus, parce qu'on a commencé à faire des directs avec le Brésil, il faut en faire partout dans le monde, venir avec femmes et enfants,
et se laisser traîner comme des cadavres. J'ai pas fini de le dire pendant 5 jours. Ça va être long, ça va être rabâchant pour ceux qui reviennent, mais c'est ça l'idée. C'est que là, maintenant, on va camper tous ensemble. Mai 68 sans les pavés. S'ils viennent, on s'allonge et ils nous traînent comme des cadavres. Et là, les CRS vont poser des trucs cafards. As-tu vu le flic aujourd'hui qui s'est fait asthmater par un cocktail Molotov? Alors non, depuis que là les autres m'ont laissé que j'ai pas le deuxième PC, j'ai entendu dire que ça partait vraiment en couille à République et qu'il y avait des cocktails Molotov, que les flics aussi répondaient pas mal. Et encore une fois, c'est dramatique. Mais ça va servir à quoi? À part qu'ils fassent venir les militaires, qu'on passe en dictature militaire. Donc maintenant, pourquoi je suis ici? C'est pas parce que j'ai peur d'aller à République. Moi, les vidéos, elles sont faites. Les cafards prison, vous vous rendez compte? J'aurais pu prendre un AK-47, aller tuer des enfants dans une école pour être entendu. Ben non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité. J'ai pris un petit billet gagné à la sur mon front. Et je l'ai détruit en vous donnant un moyen de révolte non violente où on puisse tous s'unir en gardant nos priorités de cause. Ces vidéos-là, elles sont faites. Les cafards de l'au-delà, elles sont faites aussi. Et dans les cafards de l'au-delà, il y a ce projet que je ne vous parle pas encore. Ces solutions pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Donc ça, vous les aurez de toute façon. Mais je ne vais pas aller à République me faire défoncer par des CRS alors que je pense que toute la France a envie que les choses changent et que tout le monde a envie de participer. Et là, le moyen d'arrêter ça, je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas ici, même pour les manifestants qui sont passés tout à l'heure, et Aurélien était présent, ils sont venus, ils manifestent et ils sont pour retourner aux manifestations, il n'y a pas de souci, mais ils sont d'accord, et vous les avez vus sur les directs aussi, pour venir ici, et qu'ici, ce soit le calme. Que ici, chaque personne qui est ici s'allonge par terre quand les CRS arrivent. Parce qu'ils vont les poser, les détonfois, ils vont les poser, les boucliers. Mais pour ça, il faut leur montrer qu'on est là et que c'est la fin, parce que s'ils posent leur bouclier, s'ils posent leur tonfa et que c'est pas la fin, ben ils sont dans la merde. Et là, quand vous balancez des cocktails Molotov, ça ne sert à rien. Ces gens-là, c'est des gens qui travaillent. Certes, ils font du mal, je dis pas le contraire, mais c'est comme ce qu'on a fait dans les directs avant sur Alpha Cafard, où on nous a montré des phrases, le cahier d'un gamin de 4 ans, et qu'on lui apprend à lire avec « Le méchant monsieur donne un coup de pied dans le chat ». Et l'envoie dans le ciel, le méchant monsieur donne un coup de pied dans le chat et l'envoie derrière la fenêtre. C'était des phrases comme ça. Bah derrière la fenêtre, c'était pas ça, c'était derrière la maison, pardon. C'était des phrases comme ça pour apprendre à vos enfants à lire. Et après, on s'étonne, vos enfants, bah vous leur achetez un petit chien, un petit chat, ils font que le tabasser. On vous dit, ils sont hyperactifs, faut leur donner des cachets. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Ben pour les CRS, c'est la même chose. Ils sont là, ouais, certes, ils n'ont pas choisi le bon métier, ils doivent nourrir leur famille, ils ont été dressés à respecter les ordres, et s'ils ne respectent pas, ils sont dans la merde. C'est comme si vous, là, vous prenez pas votre toile de tente et vous venez pas ici pour camper avec nous. Ben voilà, c'est pour garder votre boulot. Ben eux, c'est la même chose, c'est pour garder leur boulot. Par contre, si on est tous là et qu'ils nous voient allongés, qu'ils doivent nous traîner comme des cadavres, parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine et dans plein d'autres pays. Ben, s'ils doivent faire ça, là je pense et je suis pratiquement sûr, je ne peux pas être certain parce qu'il n'y a pas de certitude dans la vie, mais que tous ces CRS avec qui j'ai discuté, à qui je demandais mais où les gens non violents, quand j'étais en tenue de Guantanamo dans la manifestation à Bastille et dans les autres, et où je leur demandais où les gens non violents peuvent se mettre pour ne pas se faire taper dessus, et où les seuls qui suivaient la discussion avaient les larmes qui coulaient. Parce que oui, ils ont envie de les poser, les bâtons et les tonfas et les boucliers, excusez-moi, je fatigue un peu.
Ok Aurélien, bah un mercredi, hein, on se verra mercredi avec plaisir. Merci d'être venu aujourd'hui, c'était une très belle rencontre. Et puis bah quand j'aurai plus de PC, je prendrai du temps pour regarder tes vidéos. Quand tu auras plus de monde ici aussi, quand tu reviendras mercredi, bah on mettra un ordinateur, puis on regardera et on va partager toutes ces solutions. Maintenant, c'est ça. Alors nos amis de la sécurité qui repassent, ils viennent plus me voir depuis que je suis tout seul. Donc si ça coupe, c'est qu'il n'y aura plus de batterie sur le PC, parce que vous comprendrez que je pourrais pas. Mais il reste 24% 50 minutes. Alors, on a le temps encore. J'irai recharger dans la voiture. Enfin le PC je pourrais pas, mais j'irai recharger le téléphone et je passerai sur le téléphone. Je sais d'ailleurs pas combien il a de batterie pour partager la 4G. Mais même si là on nous demande de partir, bah pour le moment je suis tout seul ou avec un ou deux collègues, on va partir. Mais on vous attend. Et on vous attend pour que ça change. Et l'idée, pourquoi ça n'a pas été annoncé, pourquoi c'est comme ça, c'est parce que si la France veut faire les choses, c'est maintenant. Et c'est ici. Et c'est sans violence. Et là, on peut être 40 millions à venir et à descendre et à changer les choses. Bah ouais, je pense bien qu'à faire flipper flippant qui t'ont bloqué tous les lives de Paris. Là, je suis d'ailleurs étonné que Beta Cafard ait pas encore eu de demande de vérification d'identité, parce que maintenant, de toute façon, ils l'ont, mon identité, parce que je sais pas si vous avez vu les autres lives, mais vous pouvez aller les regarder, les précédents. Il s'en est passé des choses depuis qu'on est à Paris. Et là, celui-là, on l'a pas en vidéo, mais je suis passé, j'avais la tenue sous la main, je m'étais changé. Je suis passé devant un camion de CRS. Ils étaient tous là, c'est lui, cafard, c'est lui, cafard, c'est lui, cafard. Je me suis retourné, j'ai rigolé avec eux, je dis oui, c'est moi. Et ils me regardaient en souriant. Et pas comme, ah, c'est lui, cafard, c'est lui qu'il faut qu'on défonce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de violence. Mais pourquoi il n'y a pas eu de violence? Enfin oui, j'ai pris un ou deux coups de tonfa quand j'étais devant eux à un moment. Et après l'autre, son chef est venu et lui a dit, bah vas-y rentre, parce que l'autre avec sa tenue de Guantanamo au milieu, en gros, voilà quoi, il y a les journalistes, tout le monde va lui parler, c'est pas bon. Mais par contre, il y a une femme qui s'est fait défoncer à coups de tonfa. Parce qu'elle n'avait pas la tenue de Guantanamo et qu'il n'y avait pas toutes les caméras braquées sur elle à ce moment-là. Il y a des vidéos de ça, il y en a qui les ont. Donc vous trouvez ça normal? Moi je trouve pas ça normal du tout. Alors je vais lire, il y a Rudy qui a mis quelque chose. Vous pouvez être sûr que si les Antifas continuent à pousser la violence à l'extrême, ça va carmer des secs. Gaffe, l'inverse est possible. Aussi, ils peuvent se mettre à tirer dans la foule plutôt que de poser les tonfas. Il faut vraiment se démarquer des anarchistes payés par je ne sais quelle officine. Bah oui, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas ici, même si les Antifa y viennent, ben moi je vais poser mon chapeau, ils viendront me défoncer la gueule. Et s'ils veulent m'immoler avec un cocktail Molotov, ben, je me prendrai le cocktail Molotov et vous irez voir les cafards prison, les cafards de l'au-delà. Parce que maintenant, les choses, il faut arrêter d'avoir peur. Et ce qui fait notre comportement aujourd'hui, c'est notre environnement. Et si on est tous là, qu'on est tous en paix, qu'on s'allonge tous par terre, que ce soit les Antifa, que ce soit les flics, que ce soit n'importe qui, les CRS, encore une fois, tout le monde suit la majorité. Vous ne pouvez pas tuer des gens constamment. Si personne ne réagit. Et c'est comme ça qu'elles se sont passées les premières révoltes, ce que Gandhi, ce que Mandela ont fait. Et maintenant, qu'ils mettent les gens en prison, mais il n'y a pas de problème. Ça fera que des gens à qui parler, vous étonnez pas qu'une semaine, 2 semaines après, il y ait toutes les familles des victimes qui viennent s'asseoir devant la prison et brûler 1 dollar en disant libérer tout le monde pour la liberté. Voilà, encore nos amis de la sécurité, je sais pas, ils ont pas envie de descendre de la voiture, est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait un live, je sais pas.
Là, ils sont partis chercher à manger tout à l'heure et puis se reposer un peu. Et puis voilà, moi je suis là et je serai là du début à la fin. Parce que voilà, je vous attends. Je vous ai dit que je venais ici, que j'annonçais pas. Et puis qu'on soit 10 ou 15 dans 5 jours ou qu'on soit 40 millions, ça dépend que de vous. Et de maintenant aller sur tous les lives qui se passent à République, tous les gens qui sont en train de manifester. Et de leur dire de venir ici. Ah, il y a la sécurité qui arrive. Alors, en direct. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Le parc est fermé, il va falloir sortir du parc, s'il vous plaît. Il ferme ce parc? C'est ça, de 1h à 6h du matin, il est fermé. Ok. Mais c'est ça. je savais pas. Vous avez vu, j'ai pas rebranché. Hein. Il n'y a pas eu de D'accord, mais il va problème. falloir sortir du parc. Ok, et Ça tous les marche? jours ça ferme de De 1h 1h à à 6h du 6h pour matin. tout le monde. Ok. Bon bah pas de souci. Juste 2 minutes, j'arrête la caméra et dans 10 minutes je sors devant le parc. Ça marche? C'est juste le temps Ouais, de ranger les affaires. faut vous dépêcher un petit peu. Pas de souci. Bonne Merci. soirée. Bon, alors voilà. J'arrive, vous êtes où vous? Ah, t'es pas avec eux? Bah eux ils sont pas encore. Donc moi je vais sortir, puis je vais les appeler, et puis bah, je vais mettre dans la voiture, charger le téléphone, et je vais retrouver mes amis en direct depuis le téléphone, en dehors du parc, jusqu'à ce qu'on soit à ça. Du coup, voilà. Ah bah les autres sont en train d'arriver en plus, donc du coup je finis ça, et puis je te rappelle, à toutes. Alors voilà, le parc ferme de 1h à 6h du matin. Donc il faudra être beaucoup avant 1h du matin. Hé, Cafard Seb! Bon, là, il y a le gars de la sécurité qui vient de passer. J'ai vu, Et ils ont arrêté au milieu on de la n'a route. pas choisi le bon endroit. Le parc ferme de 1h à 6h du Cafard matin. Seb, livreur de pizza. Merci. Vous voyez, on avait le ravitaillement, mais là, ce qu'on va faire, on va Et écouter. Cafa mi Cafard bossef, Mibosef, on est on est là, on là. représente, on vous attend tous. Mais là, il